Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Zil et aujourd'hui, on va parler du nouvel easter egg qu'il y a dans la Practice Range. Alors, ce qui est intéressant, c'est que DICE a encore une fois de plus fait une bourde. Ils ont publié cet easter egg alors qu'il n'était pas fini. C'était quelque chose qui a été publié qui n'aurait pas dû l'être. Et donc, cet escalier infini, en fait, ne mène nulle part. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous montrer à l'infini sans jamais avoir de résultat. Cela étant dit, ça restait une expérience vachement amusante. Moi, j'ai passé une assez bonne soirée. On a fait ça pendant 4 ou 5 heures, ce qui semble fou, mais on s'est vraiment, vraiment amusé. Je vous montrerai les images après, enfin, je trouve ça assez incroyable. Mais surtout, eux, après, ont pu voir combien de gens ont fait cet easter egg, jusqu'où les gens ont été, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout, et ils se sont dit, ah bah tiens, on va pouvoir encore plus l'améliorer pour qu'il soit encore mieux la prochaine fois. Et du coup, je pense qu'au final, cette entre guillemets perte de temps qui a duré, je crois, 6 heures, va porter ses fruits et aurait été utile. Donc moi, je trouve ça plutôt cool, je suis pas dérangé pour le fait que c'était une erreur, et surtout, j'ai une expérience fun que je vais vous raconter. Donc déjà, le setup de l'easter egg, comment ça se passe? Vous devez être 4 absolument, et ça se passe dans la practice range. Quand vous êtes dans la practice range, vous allez trouver à différents endroits des plaques. Il suffit tout simplement de vous mettre chacun sur une plaque. Il y a 5 plaques, il faut mettre 4 joueurs sur les 4 bonnes plaques. Il y en a une qui est très loin et les autres qui sont proches l'une de l'autre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir un son bizarre. Et de là, une fois que ce son est fait, si vous montez sur la tour la plus haute, là vous allez remarquer que vous pourrez commencer à construire un escalier. Cet escalier est ce qu'il y a de plus banal, il est destructible, et quand vous arrivez en haut, vous avez 4 chemins, un où vous revenez en arrière, et 3 autres qui ne sont pas encore construits. Là, vous vous mettez au bord avec votre outil, et vous regardez s'il y a un bord qui est constructible. Parfois il n'y en aura pas, et donc vous êtes dans un cul-de-sac, il faut revenir en arrière. Parfois il y en aura plusieurs, et donc là vous devez vous séparer pour voir quel est le bon chemin. Des fois les cul-de-sac, ils vont durer pendant un ou deux escaliers, des fois ce sera plus long, et donc vous allez perdre beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que le temps est important? Et là c'est critique, c'est tout simplement parce qu'en fait, les escaliers se détruisent au fur et à mesure derrière vous, et donc vous êtes vraiment contre la montre, vous avez cette pression devant vous de vous dire, ok, je viens de construire 6 marches, et en fait, ça servait à rien, je peux revenir en arrière, alors qu'ils sont déjà en train de se détruire. Et ça va parfois vous forcer à vraiment vous dépêcher, faire des sauts un peu techniques et tout, enfin c'était super stressant quoi, c'était assez spécial. Et alors en plus de ça, si c'était pas suffisant, à une certaine hauteur, vous allez commencer à avoir des V1 qui vont arriver progressivement sur vous et qui vont soit vous tomber dessus, soit tomber sur les escaliers près de vous, et du coup détruire les marches et faire des trous, et accélérer encore plus la destruction du décor. Et là ça devient vraiment vraiment stressant, c'était... franchement, je me suis vraiment marré un truc de fou, c'était super chouette. Et donc on est là en train d'essayer d'accélérer, accélérer, accélérer, il faut monter, et il y a plein de V1 qui nous tombent dessus, on doit se grouiller, on sait pas qui a le bon chemin, on n'est pas sur le bon, il faut traverser des trucs, enfin c'était vraiment la folie. Et à côté de ça, en plus, il y a certains escaliers qui, à un moment, quand ils apparaissent, auront des obstacles sur eux, donc il faut prendre le temps de les détruire, mais moi j'ai plus de roquettes, ah lui il en a encore, mais il est trop loin, tac tac, enfin, c'est vraiment la folie. On a aussi découvert qu'il y avait certaines dalles qui étaient dissociées, qui n'étaient pas un escalier continu, mais qui étaient en fait une sorte de dalle un peu sainte, comme ça, qui vole dans le vide, et ça aussi, ça nous a fait perdre du temps, et surtout, c'est un peu plus technique, puisqu'il faut faire 2 sauts pour la traverser, encore un moment qui était assez rigolo. Mais bref, à quoi ça sert? Quand vous arrivez à une certaine hauteur, au moins vous allez trouver un casque. Et ce casque, quand vous le prenez, vous pouvez redescendre en bas sur la map, il y a un MCOM qui a été déplacé récemment, et cet MCOM, quand vous avez le casque, si vous allez à côté, vous entendez du morse. Ce morse, on sait que c'est une série de E et une série de T qui est un peu aléatoire. Et après ça, comme l'easter egg n'est pas fini, on n'a tout simplement pas de suite, on n'a pas de solution, on a rien qui continue. Mais voilà, ça on le savait pas, donc nous on a continué à grimper, grimper, grimper. Le casque était à 300 mètres, mais on est monté jusqu'à 1300 mètres, et des gens qui sont montés jusqu'à 1800 mètres. On a passé, comme je vous dis, un super bon moment, et il y a eu un problème dans l'enregistrement, c'est que ma voix, mon micro n'a pas été enregistré, donc j'ai que le son du jeu et le son de mes potes. Ce qui fait qu'il y a souvent des gros silences, et puis parfois des gens qui répondent, ou des gens qui rigole à quelque chose que je dis, mais pour vous mettre dans le contexte, la majorité du temps, j'étais mort de rire à ce qui se passait. Et c'est quelque chose qui m'arrive très rarement, je suis quelqu'un qui rigole juste pas beaucoup en soi. Mais voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les meilleures images que j'ai eues, je vais essayer de faire un montage un peu fun. Pour compenser le fait qu'il n'y ait pas ma voix, je vais mettre des titres, ça va vous donner un peu de contexte sur ce qui se passait ou ce que je disais. Et je pense que l'un dans l'autre, si je fais un bon montage, ça pourrait être marrant, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon visionnage. Ah mais mec! Là où je vais? Ah bah c'est bon, je l'ai trouvé. Ah non, il l'a vu, ouais, c'est là au-dessus. Oui, c'est bien où j'allais, voilà. Bah ouais. Je sais encore lire une carte, merde, j'ai fait l'armée, bordel. Mec, j'ai le vertige, ça me fout les boules. Oh, en vrai, ça me fout la pression, hein. J'ai les mains moites, vieux. Oui.
Ça fait un bruit tout seul. Ça fait des bip bip. Ouais, c'est du morse. Non, j'ai pas. Attends. 1, 2, 1, S. Non, je déconne. J'en sais rien. Milieu. Non, bah non. Allez, bisous. Oh merde. Ouais. Non, me fallait pas tirer là-dessus. Mec, j'ai tiré sur la barricade en bois. Mais pourquoi? Pourquoi ça a tout pété? Fais chier, putain. Oh, pas par là. Putain, j'ai les mains trop moites, les gars. Hein. Je pourrais faire une piscine avec mes mains, là. C'est pas chez nous. Comment on fait? Oh non. Ah non. Merde. Écarte-toi, Pookie! C'est bon! Yes! Bah, par contre. Oh oh, c'est quoi ça? J'en sais rien. Tu sais que sans toi, j'aurais jamais réussi à remonter en vrai. J'aime bien parce qu'il y a vraiment deux games qui se passent, quoi. Putain, avec les deux zigotos qui volent, je sais pas de quel bruit je dois m'inquiéter, moi. Putain. Oh damn. C'est chez moi, Pookie, du coup? J'en sais rien, moi ça continue contre eux aussi. Dégage! Oh, wow. Oh non, mais là c'est trop pression, je veux plus, je veux rentrer. Il est où Greeny là? Les gars, j'ai les mains moites comme jamais là, c'est pas bon hein. Ah, je vois un avion qui arrive dans 20 mètres. Ah, voilà. Non! Ah non, les gars, c'est plus le moment de tomber. Hein. Je vous le dis, c'est plus le moment de tomber. Ah bah, heureusement que c'est. Non. Ah, de quoi? Ah oui, ouais. Heureusement que j'ai pas besoin de prendre le Spitfire. Ouais, bah, j'ai un chemin à droite et un chemin à gauche. Donc. À gauche, ouais. J'ai pas le temps de le faire, quoi. Mec, c'est pas chez moi. Mais normalement, vous avez pas de. Oh! Mais je. Qu'est-ce qu'il a fait, Greeny, là? Il nous a foutu un Bronx sur la piste de décollage. Mais qu'est-ce que c'est que cette. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh non! Franchement, quoi, y a pas moyen de décoller. Regarde-moi ça, quoi! Regarde-moi ça, ce Bronx qu'il a foutu!
j'arrive. 22 secondes. Je fais ce que je peux. Un char, hein, c'est pas un... Okay. J'ai atteint les 1205, hein. Ça vous savez. Non, putain. Mec, laisse-moi faire mon boulot de TP, quoi. Putain, y'a une mine anti-personnel qui a pop en haut. Pousse-toi-y, je m'en occupe. T'inquiète. Délicat. Non. Les gars. C'est bon, l'homme sans casque, tu peux décoller en toute tranquillité. Ah bah il est parti, bah ouais, bah il a, bah ouais, il a bugué. Ouais, enfin il est... Ouais. Oh vite. Droite. C'est où? Ah putain. J'ai plus de roquettes, hein. Ouais, j'ai toujours mis en stock, moi. Gauche, droite. Ah oui, juste. Non. Dépêchez-vous, c'est là le truc inversé. Ah putain. À mon avis, c'est chelou, hein. Oui. C'est dommage, hein, parce qu'il y a une seconde près, je construisais la rampe, quoi. Ok, les gars, on va arriver au... à la barricade. C'est pas moi qui la pète, ok? Barricade ici, hein. Vas-y, moi je prends pas de risque, hein. Le choix. Le Spitfire. Oh, non. Vous déconnez, c'était pas là. Je vais te cacher que mon cœur s'est arrêté, quoi. Putain. Non, putain. Droite. Mais quand est-ce que je saute? Putain, je... Je peux plus, je crois, ça commence à devenir trop. Ah putain. Je sais pas, j'entends juste du bruit. Je sais pas utiliser. Shot de camp. Les gars, je crois que je me suis fail. J'entends juste un avion qui passe. Salut les gars. J'arrive pas, en vrai vous savez que j'arrive pas à venir sur vous, hein. Ah, c'est pas ici. Ah si. Non, de ce côté là, de ce côté là. Eh ouais, il t'a foutu. Putain, pourquoi on s'est pas monté à deux dans un avion, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est pour qui?
putain, j'ai cru que j'arrête. Putain. Putain, c'est chez vous. Oh.